Nous achetons ici l'équipement militaire dont nous avons besoin, comme les uniformes, des boucliers. Nous les achetons avec notre propre argent, car c'est un devoir national et nous devons agir. Dans le passé, on vendait des équipements pour les soldats, les policiers et les forces des services gouvernementaux. Aujourd'hui, après la fatwa et la détérioration de la situation, tous les Irakiens achètent nos équipements. Depuis le début de la crise, les ventes ont augmenté d'environ 200 à 300%, deux ou trois fois plus qu'avant. Et cela a été accompagné par une augmentation des prix. Thank you.